Salut à vous tous, les amis, les viewers, les abonnés. Bonjour à vous, membres de la chaîne et la communauté Google. Je suis Chopin, YouTubers. Comment ça va? Soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo annonce en ce début de semaine après les 24 heures du Mans. Donc vidéo qui vous est proposée par LT qui effectue une vidéo annonce juste après les 24 heures du Mans, plus connu sous le nom d'LT Gigi Giga. Ravi de vous retrouver. Alors donc une petite vidéo donc où je vais vous récapituler un petit peu tout. Toutes les vidéos qu'on va faire à partir de cette semaine, sachant que l'envol reprend officiellement l'activité sur YouTube après le 30 juin, pas avant. Et en plus, je vais donc vous informer bien sûr des vidéos à venir. Alors donc, on va donc ouvrir une petite parenthèse sur Gran Turismo 6 puisqu'on y est. Donc j'effectue cette vidéo donc, sur Gran Turismo 6, donc regardez donc... La tenue spéciale donc pour la prochaine vidéo que je vous ferai donc qui sera donc mise en ligne la semaine prochaine. Donc la troisième manche de mon championnat de France de GT et prototype sur le circuit des Invalides, le circuit qui a accueilli le e-prix de Paris le 23 avril dernier. Donc pour Gran Turismo 6, donc concernant le championnat de France de GT et prototype. Donc inutile de vous rappeler le calendrier. Puisque tout est sur Google+, je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas fait. Alors les dates, les postes doivent dater de fin mars, début avril tout juste. Alors je vous conseille d'aller voir. Mais encore, il n'est pas vraiment officialisé. Alors donc regardez un poste où il y a le calendrier, mais avec les dates à partir de la quatrième manche, puisque la troisième manche aura lieu dans pas longtemps. Alors, je vais donc en profiter pour aller voir quelques voitures. Comme ça, je vous fais un petit peu visiter. Voilà. Alors donc... Ensuite, une information, alors donc c'est l'envol donc qui m'a transmise. Alors première information, donc le retour donc bien sûr voilà de nos vidéos phares sur Minecraft bien évidemment. Need for Speed, Most Wanted d'ailleurs, Need for Speed, Most Wanted avec l'envol qui vous fera une petite vidéo style derby de démolition rien que pour lui. Dès le début du mois de juillet, juste à la reprise en plus, enfin sa reprise. Ensuite, vous aurez droit à une nouvelle, donc bien sûr une nouvelle vidéo et bien sûr mes premières vidéos avec le mode en ligne puisque j'ai pu enfin installer la dernière version avec le mode en ligne, enfin. Sinon le jeu il fonctionnait bien, hein. Apparemment c'est juste que j'avais pas le mode en ligne. Et voilà, je regarde par-ci par-là, ce qui peut m'intéresser. Ensuite, donc une vidéo sur GTA 5 qui est prévue en juillet aussi, c'est l'envoi qui l'a annoncé. Alors donc, bien sûr, avec la voix des membres fondateurs de la chaîne. Bien sûr, on essaiera d'être dispo en fonction des disponibilités de One Army et de son frère, dont le pseudo, je ne l'ai toujours pas retenu. Et pourquoi pas, peut-être Ink Evan s'il est là. Et des youtubeurs qui sont abonnés ou désabonnés tout court, hein, ceux qui ont. GTA 5 sur PS3, veuillez donc ajouter le profil de PSN de Le Envol qui est CryptorKiller816.
apparemment Draconico 98 serait présent. Mais on va donc tout faire pour que ce soit en fonction de ses disponibilités aussi à lui. Donc ça reste pour l'instant d'attendre un mois, voilà, vers la fin du mois de juillet. Mais bon, rien n'est sûr, hein. Ce que je peux vous garantir. Donc ensuite, d'autres vidéos. Donc on va continuer un petit peu sur le rétro gaming. Bien entendu. Avec aussi des nouveaux jeux où on fera de nouvelles vidéos, donc ils seront à venir puisque c'est mon anniversaire dans pas longtemps. Le jour en plus où j'effectuerai la troisième manche de mon championnat de France de GT Prototype. Plus hein. Ça va être cool. Ça annonce palpitant pour cette épreuve dans les rues parisiennes. Ensuite, une autre parenthèse, que après je ferai moins de vidéos à partir du 5 septembre parce que je débute mon BTS logistique en apprentissage, voilà, sur 2 ans. Donc ouais, je débute déjà avec l'entreprise, avec l'employeur le 5 septembre et le 12, ce sera donc le début des cours. Et donc voilà, il y aura de moins en moins de vidéos, enfin donc je ferai en sorte bien sûr que, avec le envol, je ferai en sorte qu'il y ait une activité qui persiste, hein. Je n'aurai pas énormément de temps pour faire des vidéos, hein. Mais bon, j'essaierai quand même d'en faire un petit peu durant les vacances. Dès que je les ai, bien sûr, hein. Dès que je les aurai. Dépendant de quand. Voilà. Donc, parenthèse close là-dessus. Alors ensuite, là, ça va concerner... Donc un petit peu en ce qui concerne là pour les lives, on n'en a pas prévu tout de suite, hein. On en fera peut-être un de temps en temps, mais pas énormément, voilà. Disons qu'on n'a pas forcément prévu d'en faire. Sans réserve, voilà, c'est sous réserve. Et ensuite, que voulais-je dire donc dans cette petite vidéo? Thank you.
fois. Donc dans mes vidéos, c'est prévu. C'est prévu que des fois il y ait quelques youtubeurs présents, voilà. Donc voilà, c'est ça, j'ai eu l'idée en tête, voilà, d'aider un petit peu les petits youtubeurs français. Voilà, des fois, pas forcément en tant que membre, mais en tant que collaborateur, voilà, on se donne un petit coup de main, on se fait de la pub. C'est déjà le cas avec Hector Pierre Boulben, Vortex et Dragonico 98 en l'occurrence, là récemment, il n'y a pas longtemps. Et en ce propos, Dragonico, il aura une petite surprise parce que je vais faire une vidéo rien que pour lui. Donc voilà. Alors après, donc la question, je vous la reposerai. Lors de la vidéo que j'ai effectuée samedi. Donc après vous me direz bien sûr oui ou non, bien évidemment. Donc si le circuit des Invalides que j'ai reproduit vous plaît bien, vous mettez oui ou non. Et donc après si vous dites non pour la première question, je vous déconseille de répondre à la deuxième parce que autrement ça fausserait les statistiques. Alors s'il vous plaît, est-ce que voilà, vous seriez d'accord à ce que le circuit des Invalides soit présent lors de la saison 2 de mon championnat de GT et prototype. Donc je ferai bien sûr quelques vidéos déjà pour bien présenter le truc. Voilà, pour bien présenter le rendu au final. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça. Donc vous avez jusqu'à la semaine prochaine. Alors donc pour réfléchir à cette question, donc portez-vous bien, chers amis, chers viewers, chers abonnés. Et donc nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et en l'occurrence une nouvelle vidéo. Donc à ne pas manquer la troisième manche de mon championnat de France de GT et prototype sur le célèbre circuit des Invalides. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, c'est les petits clous, bye bye, à la prochaine, ciao ciao.